de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est arrêté excellent dans son maillot traditionnel de plat contre l'Olympique Lyonnais dans son maillot blanc. On applaudit les deux équipes. Merci. Cette rencontre sera donnée par Samy Canard, conseiller administratif de la ville de Genève, accompagné de Mathias Maréchal, qui est membre du comité de la Genève Club. Et on se retrouve pour le match 16 de cette Geneva Cup 2018. Le coup d'envoi est donné par monsieur Pereira, membre de la ville de Genève. Et cette 16e rencontre voit les Servettiens, qui joue en Grenat, bien évidemment, affronter l'Olympique Lyonnais dans ce match franco-suisse, match de voisins, deux équipes qui se connaissent quand même assez bien. Et le coup d'envoi est donc donné par les Servettiens, avec tout de suite un long ballon directement en touche. Et les Lyonnais, tout comme les Servettiens, doivent se reprendre hein, après une lourde défaite. C'était face à l'Atlético pour les Lyonnais et face à la Juventus pour le Servette FC. Et avec Dib aux avant-postes, Dib qui peut passer à Pellier, le centre de Pellier avec tout de suite une bonne opportunité. Et puis, ouais. Alors pour une première intervention, Edin Omeragic, il a pris un bon coup là. Alors rien de méchant me semble-t-il de la part de Kylian Bosset, mais effectivement il a été courageux là le portier servettien. Ah, qui a pris les crampons dans l'épaule. Ah, pas d'entrée des soigneurs. Et puis on retrouve hein, du côté servettien Noah Anchaud dans la défense centrale. Une défense qui a coulé en 7 minutes face à la Juve. Et Anchaud il s'en sort bien là. Il rend tout de même le ballon avec cette touche à l'Olympique Lyonnais. Pellier qui tente de se retourner. Et là encore, on a bien combattu côté servettien avec Théo Gradaille. Allié à Daryl Parizeau là sur le côté gauche. Et Pellier de nouveau qui vient trouver Dib. Ouais, Dib il a été mis au sol par Opoku Mensa de manière un petit peu virulente tout de même. Ah, superbe la passe là pour le centre de Pellier. Ouais, par contre, le centre, il n'était pas au niveau de la passe de Mathis Lefebvre. Et ça va permettre à Omeragic de dégager à nouveau. Nouvelle relance courte du portier servettien. Et
et on va venir chercher sur le côté droit. Malheureusement, pour les Genevois, le ballon de Adeagbo, il n'était pas très bon. Ça permet la récupération. Et là, on est revenu quasiment avec une équipe type du côté servettien par rapport à ce match contre la Juventus. Et attention, parce que là encore, on dormait un petit peu sur cette remise en jeu. Et là, c'est Parizo qui a été stoppé sur le côté. Et Benaïssa avec la passe dans l'axe. Opokoumensa qui peut intervenir là sur Hichem Zoglami. Intervention pour cette main d'Hichem Zoglami. Et là encore, ça va donner un coup franc aux Servettiens dans leur moitié de terrain. Et Dino Meragic à nouveau qui va s'occuper de beauté. Ce coup de pied arrêté. Avec un long ballon, ouais, ça termine sur une tête française. Opokoumensa qui a pu toucher pour Da Silva. Da Silva Mira qui a été repris là au milieu de trois adversaires. Et on tente de lancer dans la profondeur, mais c'était pas très précis comme passe. Attention Opokoumensa, pas perdre ce ballon là au centre du terrain parce que Zoglami, il va pouvoir mettre ce ballon côté gauche. Pour Souni, attention Souni, Souni la frappe, oh superbe, la claquette de Meragic, première opportunité de cette rencontre, elle est à mettre à l'actif des joueurs lyonnais avec une bonne claquette finalement d'Edino Meragic sur cette frappe de Madian Souni. Le corner qui s'ensuit pour les Français avec Benaïssa, est-ce qu'on va le jouer en deux temps? Alors on est deux pour tirer ce corner. Ah, c'est directement dans les bras de Meragic. Bonne sortie du portier Helvet. Et le dégagement, par contre, c'est directement sur la tête de Pellier. Mais c'est rapidement récupéré là par Gradaï qui tente de remonter le terrain. Gradaï qui ouvre sur Parizo côté gauche. Parizo, il faut qu'il rentre un petit peu mieux dans son match là parce que pour l'instant Pellier prend le dessus sur les duels. Et attention parce que là Souni il est passé. Souni est très très bon retour. D'Enzo Adeagbo. Ah, efficace Adeagbo même si parfois il est un peu pris. Ses interventions sont en règle générale très très propres. Avec Prats Barbaran de la tête pour... essayer de renvoyer ce ballon devant. On n'arrive pas à garder la possession. On va repartir avec Dos Santos Marques. Dos Santos Marques ouais, qui est crocheté. Coup de sifflet et nouveau coup franc en faveur des Servettiens. Et Adeagbo qui va aller tirer ce coup de pied arrêté vu que c'est de son côté. Adeagbo avec un long ballon là, ouais c'est bien tenté de la part de Sekou Larak qui n'a pas réussi tout de même à s'embarquer le ballon, ça aurait pu provoquer une situation chaude là dans les 16 mètres lyonnais. Et Parizo ouais, qui a voulu faire tout seul là encore, hein, il vient buter sur la défense de Matisse Lefebvre et on est rapidement reparti à l'avant avec Zoglami qui peut écarter à nouveau sur Lefebvre. Et intervention de Noah Anchaud, fautive, estime l'arbitre. Lefebvre reste à terre. Anchaud n'est pas tout à fait d'accord et ça va donner un bon coup franc là aux Lyonnais. Et attention à ce coup franc. Parce qu'on sait que ouais, Benaïssa il sait les frapper. Il y a éventuellement Djibril Dib aussi avec lui. Voilà, Dib qui va s'écarter du ballon, on va laisser à Benaïssa. Alors Benaïssa, côté droit. Pour ce coup franc à 20 mètres des buts servettiens. Ah, c'est bien frappé, ça attend sur ce ballon qui passe absolument tout le monde. Et finalement Opokoumensa hein, qui dégage le plus loin possible. Avec Regilo qui va tenter de se battre là sur le côté. Ouais, il n'arrivera finalement pas à garder le ballon dans les limites du terrain.
Et la touche lyonnaise. Oh, superbe là, ce que vient de faire le Lyonnais, me semble-t-il que c'était Hicham Zoglami. Et un ballon dans la profondeur. Ça va forcer le portier lyonnais à sortir de ses 16 mètres et à dégager loin devant. Ben Aïssa qui va orienter. Ouais, Ben Aïssa, superbe passe trouvée là pour Dib. Dib qui rentre dans les 16 mètres. Dib qui se met sur son pied gauche. La frappe de Dib et Dino Meragic qui s'impose. Ah, il y avait peut-être mieux à faire là de la part de Dib parce qu'il avait passablement de coéquipiers là entre Souni et Bosé qui était dans les 16 mètres. Il a préféré faire tout seul dans un angle fermé. Dos Santos Marquez par-dessus dans la course, espérait-il, d'Enzo Adeagbo. Intervention lyonnaise. Adeagbo, la touche pour Dos Santos Marquez qui n'a pas réussi à s'embarquer le ballon et qui rend donc la possession aux Lyonnais avec la bonne sortie là d'Adeagbo. Adeagbo à nouveau, il fait deux fois le même geste, Enzo Adeagbo. Et Prats Barbaran là qui peut renvoyer ce ballon devant Dos Santos Marquez qui se retrouve au sol et c'est lui qui a commis la faute, estime l'arbitre. Et le long dégagement directement sur la tête de Gradaille. Et Pellier qui va monter avec Parisot qui est venu couper. Gradaille qui peut sortir le premier là sur ce ballon. Parisot qui renvoie devant, il a pris un petit coup. Il n'a pas réussi à être précis sur sa remise. Le numéro 11, Servetien. Et encore un ballon mis en avant. Adeagbo à nouveau de la tête qui gagne son duel. Ben Aïssa pour Lefebvre. Lefebvre qui ouvre pour Dib. C'est bien fait. Dib qui va tenter de prendre le couloir. Il va attendre le dédoublement de Pellier. Dib qui va repiquer dans l'axe. La frappe pied gauche de Dib. Ouais, là encore, peut-être un petit peu trop personnel. Le numéro 17, Djibril Dib. Et Prats Barabán pour remonter le ballon. Prats Barabán avec cette passe pour Dos Santos Marquez qui manque à nouveau son contrôle. Et Gradaille en chaud qui tente d'allonger. Ouais, c'était pour Sekularak. Un ballon pas assez précis. Riyad Tahar qui s'en empare. Et le dégagement à destination de Dib. Ouais, Dib qui a pu toucher ce cuir. Et Ancho qui peut mettre le pied juste devant Lefebvre. Brian Pellier pour la remise en jeu. Et Ancho avec une longue chandelle. Là encore, hein, jamais facile à négocier pour la défense. Et Ben Aïssa qui va être obligé de revenir jusqu'à son portier. Pas beaucoup de solutions pour le numéro 8. Et Prats Barabán de la tête. Opoku Mensa, là encore, hein, le ballon qui n'est pas bon parce que Christian Sekulara qui faisait pas l'appel dans l'axe. Mais ça, on n'a pas vérifié avant de mettre le ballon. Et Ancho à nouveau en couverture qui peut trouver dans le rond central Da Silva Mira. Et Dos Santos Marquez là qui a perdu un nouveau ballon. Monzales que lors de ses premiers matchs, le numéro 9 servetien. Et ça c'est bien fait hein, pour Souni qui était tout seul dans le rond central. Souni qui peut écarter pour Dib. Dib il a Pellier qui fait l'appel côté droit. C'est justement pour le latéral lyonnais. Qui remet directement, on a voulu toucher pour Dib, bonne intervention de Parisot. Ouais, mais là Parisot encore une fois, hein, il fait un petit peu trop tout seul. On lâche pas assez bien, assez vite ce ballon. Pellier qui va pouvoir tenter à nouveau sa chance, côté droit, le centre de Pellier. C'est à nouveau touché par un servetien, mais ça va revenir. Pellier qui rentre dans les 16 mètres et l'intervention de Ancho. Un Gradaille qui a pu toucher et on tente de relancer le long de la ligne de touche.
ça ne fonctionnera pas et ça va à nouveau sortir en faveur de l'Olympique Lyonnais. La touche donc pour les Français. Et c'est Dib qui fait la remise en jeu. Benaïssa, ouais, retour à Dib. Dib qui pousse pour Pellier. Et encore une fois, une bonne sortie de Théo Gradaï. Alors qu'il reste encore un petit peu plus de 7 minutes dans cette première période. Toujours 0 à 0 entre le Servette FC et l'Olympique Lyonnais. A savoir qu'en cas de victoire de l'une ou de l'autre des deux équipes, ça les positionnerait quand même favorablement pour atteindre les demi-finales, même si rien n'est fait dans ce groupe B. Pellier qui a été trouvé, le centre de Pellier, ouais, c'est renvoyé par la défense. Attention, Lefebvre, il va tenter sa chance avec la déviation. Ouais, c'était bien tenté ça. La subtile déviation de la tête de Kylian Bosset, ça aurait pu prendre un défaut. Et Dino Meragic qui était tout de même attentif et qui relance avec son capitaine Prats Barbaran. Et Dos Santos Marquez avec un ballon encore assez compliqué à négocier là pour Matteo Reggilo. Et ce sont à nouveau les Lyonnais qui partent en contre-attaque. Hein. Les Lyonnais qui font une bonne impression là en cette première période. Et ils sont en train de sevrer les Servettiens de ballon. Dib, le superbe contrôle de Dib. Djibril Dib qui met en retrait avec cette tentative de Lefebvre. Contrée par Opoku Mensah. Djibril Dib. Ouais, très bien fait la triangulation. Avec Pellier qui va pouvoir centrer. Et encore une fois, c'est Noah Onchaud hein, qui est là où il faut. Pour venir renvoyer ce ballon. Le corner qui a été joué rapidement en deux temps. Avec cette tentative là de Kylian Bosset. Pas de souci pour Omeragic. C'est un petit peu manqué Bosset. Et attention à la contre-attaque. Avec Reggilo qui est seul au second poteau. Et c'est Koularak ouais, qui avait fait le pas de retrait hein, pour ne pas être hors-jeu. Là encore un petit problème de tempo dans la passe. Sinon, ça aurait pu créer une excellente occasion pour les Genevois. Et à nouveau, un long dégagement. Prats Barbaran qui renvoie. Ça va revenir rapidement. Et ça a été bien touché par Da Silva Mira. Et c'est Koularak là, il a été pris par Billy Koumetio. Et la touche qui a été jouée, ouais, ça c'est très bien fait là, la déviation. Et encore une fois, il y a de l'espace pour les Lyonnais. On va ouvrir côté droit, c'est très bien fait pour Djibril Dib qui, pour l'instant, est le moins vu côté français. Et en chaud, ouais, encore une fois, très très efficace. Et Adeagbo qui va sortir le ballon. Ouais, là, il aurait fallu lâcher tout de suite, justement, sur le côté droit. C'est Koularak qui repique dans l'axe. Elle était bien prise par le capitaine Loukeba. Et Benaïssa, ouais, superbe la roulette de Benaïssa. Il tente de transmettre à Dib. Bon retour de Parizeau. Opoku Mensah maintenant. Et Opoku Mensah qui tentait de trouver un coéquipier côté droit, mais il y a eu tout de même une faute de Nassim Benaïssa. Coup de sifflet de l'arbitre et coup franc donc pour les Servettiens. Ça avec à nouveau un long ballon pour Dos Santos Marquez un petit peu seul là-bas sur le côté, centre contré par Junior Castelo Loukeba. La touche pour les hommes de Bernardo Hernandez qui était en train de donner des consignes à son numéro 11 Daryl Paraiso. Et longue touche, ouais, on cherchait Reggilo dans les 16 mètres. Et possibilité de rupture, mais ouais, il n'y a pas beaucoup de monde côté français pour mener à bien cette contre-attaque. On va donc tenter une attaque placée avec mauvaise passe de Souni. Bonne récupération servettienne avec Paraiso devant lui pour Opoku Mensah. Opoku Mensah, attention, le rebond il est favorable à Reggilo. Reggilo qui va aller se battre et ça va donner un corner parce que Kevin Yalcin, le portier olympien, n'a pas réussi à éviter la sortie de balle. Un coup de pied de coin donc pour les Servettiens.
à 2 minutes 45 du terme de cette première période, toujours 0 à 0 entre les deux équipes. Et Théo Gradaï, le latéral gauche qui va aller frapper ce corner. Et là aussi, hein, il faudra être efficace. Théo Gradaï, ouais, alors ça c'est pas terrible du tout comme corner directement dans les bras de Kevin Yalcin. La relance courte avec Tahar. Tahar pour Lefebvre. Lefebvre, ouais, qui a vu l'appel là-bas, c'est très bien fait. Heureusement pour les Servettiens, Anchaud était présent sur cet appel de Kylian Bozet. Et là encore une fois, hein, c'est passé au centre du terrain et c'est encore et toujours Noah Anchaud qui est là pour annihiler les actions lyonnaises. Et excellent travail de Luqueba qui a récupéré ce ballon sur Dos Santos Marquez. Ah, c'est bien fait de Dib qui laisse passer pour Pellier, le centre de Pellier, second poteau. Ah, ce sera un petit peu profond, mais ça va tout de même bénéficier à Hichem Zoglami. Zoglami avec la tentative de talonnade. Mais Enzo Adeagbo, il était attentif. Ouf, ouais, là aussi avec un gros, gros contact. En plus, il a un bon physique, Luqueba. Il est venu mettre au sol João Dos Santos Marquez, me semble-t-il. Effectivement, c'était bien le numéro 9 Servettien là, qui s'est retrouvé au sol suite à cette charge de Junior Castello Luqueba. Rien de méchant, hein, encore une fois, du côté lyonnais. Le capitaine qui s'est un petit peu laissé emporter par son élan. Alors qu'on est entré dans la dernière minute de cette première période. Et les deux équipes qui n'ont toujours pas réussi à trouver le chemin des filets. Gradaï. Devant lui. Ah, c'était pour Sekularak. J'ai arrêté de cibler le ballon. Il a changé de plan. Alors à noter que ces deux équipes ont participé au tournoi l'année passée. L'OL a terminé 7e. Le Servette FC avait terminé 3e en battant lors de la petite finale le Merin FC sur le score de 2 buts à 0. Alors on pense bien que les Lyonnais ont envie de faire mieux que cette 7e place. À noter que l'année passée, le tournoi se jouait avec uniquement 8 équipes. Et le coup de sifflet est donné 0 à 0 à la mi-temps entre le Servette FC et l'Olympique Lyonnais. On se retrouve tout de suite pour la deuxième période. Et retour sur la pelouse du Stade des Arbères pour suivre la deuxième mi-temps de cette 16e rencontre de Geneva Cup entre le Servette FC et l'Olympique Lyonnais qui vient de donner le coup d'envoi. 0 à 0 à la mi-temps entre les deux équipes. Il n'y a pas eu pléthore d'occasions dans les 20 premières minutes. On espère voir un petit peu plus de choses lors de la seconde période. Ah, superbe ce que vient de faire Adeagbo. Et le ballon qui va être donné aux Lyonnais, ouais, c'est pas la vie des Servettiens. Et Luqueba pour la remise en jeu. Avec Dos Santos qui est venu gêner le capitaine lyonnais. Avec une bonne récupération encore une fois. Et Prats Baraban qui envoie un long ballon devant. Ça va obliger Regilo à faire parler la vitesse là face à Kumetio. Et Regilo, ouais, qui commet la faute finalement sur le défenseur lyonnais. Et la relance française avec Zoglami. Attention à ce ballon qui parvient jusqu'à Souni. Souni, ouais, qui commet une petite faute là sur Prats Baraban. Ce n'est pas l'avis de l'arbitre. Prats Baraban à nouveau qui se bat, ouais, face à Souni et Zoglami. Il a fort à faire le numéro 19 Servettien. Avec Adeagbo qui est venu lui prêter main forte, mais ce sont tout de même les Lyonnais qui ressortent avec le ballon. Ouais, bon pas de retrait là de Opoku Mensah qui a pu venir prendre ce centre. C'était important là comme intervention.
Et Souni qui profite du dédoublement de son capitaine Loukeba. Ouais, ça s'est bien fait pour éliminer Adeagbo. Il a tenté la même chose sur Prats Baraban. Cette fois-ci, le ballon franchit les limites du terrain. Et Edin Omeragic va pouvoir effectuer un 5m50. Court avec Prats Baraban. Le capitaine genevois qui lève la tête et qui met un ballon où il n'y a personne. Et Dos Santos Marques face à Loukeba. Avantage au Servetien pour l'instant. Dos Santos Marques qui se retrouve au sol par l'intervention des arbitres. Souni, ouais, c'est très bien fait là. Souni entre deux joueurs. Il est finalement mis au sol par Opoku Mensa. Ouais, ça c'est pas terrible comme faute parce qu'il y avait, pas beaucoup de place là pour Madian Souni pour passer. Il semblait que ce ballon était perdu. Alors que Dos Santos Marques lui est resté au sol. Et Junior Castello Loukeba qui est venu tout de suite s'enquérir de l'état de santé et s'excuser envers le numéro 9 servetien. Bel état d'esprit hein, de la part des Lyonnais. Nassim Benaïssa au coup franc. Benaïssa, ouais, c'est bien frappé ça encore, la tête de Prats Baraban pour envoyer, ça va vite revenir avec ce centre et la tête finalement de Djibril Dib sur ce centre d'Hichem Zoglami. Le ballon qui passe à côté des buts servetiens. Et changement pour les Grenats avec l'entrée en jeu du numéro 12, Sidiki Camara. Et la sortie du numéro 2, Bruno Da Silva Mira. Et Ancho qui monte balle au pied. Camara pour son premier ballon. Avec Prats Baraban qui rentre dans le rond central. Ouais, mauvais passe là de Prats Baraban. C'est récupéré par Lefebvre. Et les Lyonnais qui vont tenter de repartir. Mais il y a un bon retour d'Opoku Mensa. En chaud, retour à Opoku Mensa. C'est bien fait ça aussi. Et ouais, bonne intervention là au centre du terrain pour couper cette passe. Et là encore, hein, Gradaï a fait le travail. Et vient alerter Omeragic. Et on repart. Côté droit, à nouveau avec le capitaine. Ah, là encore, hein, Prats Baraban, il faut qu'il fasse attention. Parce que c'est lui qui a la relance. Et attention là, parce qu'en chaud, il a failli être pris par Kylian Bozet. Bon retour finalement du défenseur central servetien. Ah, très très solide, Noah en chaud. Et attention là, Prats Baraban, à nouveau, hein, qui met ses coéquipiers dans une situation compliquée. Camara qui a pu toucher pour Opoku Mensa. Voilà, il faut profiter là parce que les Lyonnais sont montés. Et c'est à ce moment-là qu'il faut verticaliser plutôt que de jouer des passes horizontales. Et attention, Regilo devant. Ouais, stoppé hein, à nouveau par Billy Koumetio. Et ouais, Omeragic et Noah Ancho qui n'étaient pas très sûrs de ce qu'ils allaient faire là. Dans le doute, Omeragic est venu allumer la tribune du stade des Arbères. Et on continue de construire côté droit là pour les Lyonnais. Ouais, ça s'est très bien fait avec ce ballon et cette frappe de Kylian Bozet. Là encore, on a senti hein, qu'il voulait absolument frapper Kylian Bozet. Il a un petit peu trop forcé son tir justement. Il y avait peut-être mieux à faire. Alors attention, s'il y a une nouvelle relance courte, Prats Baraban, pardon, il faut qu'il fasse vraiment attention. Parce que ça fait plusieurs fois que bah, la relance, elle passe par lui. Et si malheureusement la première passe, elle n'est pas bonne, bah, c'est difficile de construire quoi que ce soit derrière. Alors, on va pas vous faire un dessin. Et changement côté lyonnais avec la sortie de Kylian Bozet, le numéro 18, qui cède sa place au numéro 9, Louis Beaufrère. Adeagbo avec, ouais, là encore on s'est pas compris hein, avec Regilo qui faisait la peine intérieure. On lui a mis le ballon dans la profondeur, mais Regilo il s'est très bien battu pour récupérer un ballon. Il rentre dans les 16 mètres, Regilo encore, Regilo toujours, Regilo, ah, la frappe pied gauche et l'ouverture du score pour le Servette FC. Matteo Regilo qui a fait un travail monumental là pour venir récupérer ce ballon
sur Billy Kumetio et qui peut ouvrir la marque pour le Servette FC à 13 minutes du terme de cette rencontre. Et voilà qui va vraiment lancer cette partie. Et deuxième but hein, pour Matteo Reggilo dans cette Geneva Cup. Ouais, fêté comme il se doit par ses coéquipiers. Et par la suite, il y a des crampes. Ouais, alors pourtant la touche, elle n'avait pas été bien jouée. Hein, du côté servettien, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais une fois de plus, là, hein, les servettiens ont pris un petit peu l'état d'esprit mérinois. On a partagé ça entre Genevois, on va dire. Et puis, et voilà, il faut se battre, il faut y aller avec les tripes. Et c'est exactement ce qu'a fait Reggilo, là, parce que s'il n'y avait pas d'envie, ce but-là ne serait jamais arrivé. Un but à zéro, donc, en faveur des Grenats. Et les Lyonnais qui vont devoir remettre l'ouvrage sur le métier pour essayer de revenir dans cette partie. Ben Aïssa qui perd finalement ce ballon avec Paraiso. Et à présent, Sekularak, ouais, c'est bien fait. Sur le côté, Sekularak encore avec Reggilo. Sekularak qui va continuer son effort et venir gêner le dégagement. Adeagbo qui va venir faire jouer Souni. Ouais, Adeagbo qui peut récupérer et qui peut lancer à nouveau Sekularak. Ouais, non, dans le couloir droit. Mais alors là, Sekularak, il avait déjà fait un gros travail côté gauche. Il était revenu dans l'axe. Il avait encore mis le pressing. Il n'avait pas les jambes là pour aller chercher encore ce ballon. Et le dégagement de Yalcin avec la tête de Beaufrère qui peut prolonger. Attention à bien fermer. Prats Barbaran, c'est bien fait ça. Et le dégagement du capitaine servettien. Le ballon qui va terminer en touche. Et remise en jeu de Loukeba avec son compère Kumetio. Et on trouve Souni, c'est bien fait. Souni avec le retour d'Opokumensa. Souni qui continue. Et Adeagbo, oh là là, le tacle d'Adeagbo encore une fois. Pas de chance pour lui. Il y avait un autre Lyonnais. La roulette de Souni. Et finalement, ce sont les Servettiens qui vont s'en sortir en dégageant ce ballon. Opokumensa, lui aussi, a une crampe. Quoi, le 10 qui sort pour le... Alors bien évidemment, il y a quand même passablement d'intensité dans ce genre de match, mais c'est quand même assez bizarre d'avoir déjà des crampes. C'est le deuxième servettien qui est à terre pour des crampes. Et changement côté lyonnais avec la sortie du numéro 10, Madian Souni. L'entrée en jeu du numéro 6, Noam Bonnet. Et du côté du Servette FC, là aussi l'entrée du numéro 6, Louis Gobo. Alors Louis Bourou qui remplace Théophilius Opokumensa. Sorti donc suite à ses crampes ou à peut-être une petite blessure, on ne sait pas. Lefebvre qui voulait changer le jeu, il y avait là encore de l'idée mais la réalisation n'est pas très bonne. Ça permet à Omer Agic de relancer court alors qu'on a passé la moitié de cette seconde période. Attention à ce long ballon. Et premier cuir pour Gobo. Ça va être renvoyé devant. Attention à cette tête de Beaufrère qui a pu décaler sur le côté gauche. Hichem Zoglami qui revient avec Ben Aïssa dans l'axe. La bonne remise de Ben Aïssa et la faute de Prats Barban qui va offrir un bon coup franc aux Lyonnais. Faute sur Noam Bonnet qui vient de faire son apparition sur le terrain. Et attention à ne pas donner trop de cadeaux dans le genre. Alors 4 hommes dans le mur pour Omer Agic. Camara lui va rester auprès d'Hichem Zoglami. Nassim Ben Aïssa qui a pris son élan.
Benaïssa qui tente sa chance directement. Oh, ça vient s'écraser sur la latte. Et oh là là, derrière le manqué de Billy Kumetio qui a tiré sur un de ses coéquipiers. Me semble-t-il, il y avait une position de hors-jeu, heureusement pour eux, parce que là, ils s'en seraient mordu les doigts. Eh, on n'est pas passé loin de l'égalisation là, avec un superbe coup franc de Nassim Benaïssa. Edin Omeragic a été sauvé par sa transversale. Et c'est ce qu'on vous disait, il ne faut pas leur laisser ce genre d'occasion aux Lyonnais. Il ne faut pas leur laisser la possibilité de revenir dans le match. Il faut qu'ils s'inspirent de ce qu'ils ont vécu face à la Juventus. La Juventus qui a quasiment tué le match hein, en 7 minutes au début de partie. En inscrivant 1, 2 et 3 buts. Derrière, ça a coupé les jambes servettiennes. Qui ont réussi à réduire l'écart 3-1. Mais après, le 4e but turinois est arrivé. Et par la suite, on a un petit peu sauvé l'honneur avec le deuxième but. Score final, 4 buts à 2. Ah mais c'est là qu'il faut tuer les matchs. C'est là qu'il faut vraiment ne rien laisser à l'adversaire. Le coup franc pour Théo Gradaï. Théo Gradaï, ouais, c'est pas mal frappé ça avec un ballon qui passe finalement tout le monde. Et puis, ouais. On s'est pas bien entendu là. Il y a Louis Gobeau qui avait tenté sa chance de la tête, mais il a été trop court. Le numéro 6 servettien. Le 5m52, Kevin Yalcin. Et là encore, hein, on joue court. On va s'appliquer pour construire. Là, on ne s'est pas assez bien appliqué. Récupération servettienne déjà. Et ouais, là, ballon compliqué là de Camara. Pour ses Koularak et ça permet à l'OL de développer une nouvelle offensive avec son capitaine et la faute d'Enzo Adeagbo qui prend en plus un carton jaune. Ouais, ça c'est un petit peu sévère, il est en retard hein, effectivement Adeagbo, mais c'est quand même assez sévère comme carton. Il n'y avait rien de méchant, on se souvient le choc sur Dos Santos Marquez qui n'avait pas valu de carton, personne n'en avait demandé, mais c'était plus impressionnant que ce que vient de faire Enzo Adeagbo. Et nouveau coup franc donc pour Benaïssa et ses coéquipiers. Alors tout à l'heure il a pu le tirer directement, là il va vraisemblablement aller chercher la tête d'un coéquipier avec ce ballon qui traîne. Oh là là, puis encore une fois, on a mis le cuir à côté, et le début d'Edin Omeragic alors qu'il y a eu une faute je crois sur le portier. Mais là encore, on n'est pas passé loin de l'égalisation pour les Gones. Ouais, on est à la limite hein, quand même dans cette défense servettienne sur coup de pied arrêté. Omeragic est en train de recevoir des soins. Ah, c'est déjà la deuxième fois hein, qu'il reste au sol sur sa première intervention. Il avait pris les crampons de Kylian Bozet. Là-dessus, on n'a pas très bien vu ce qui s'est passé parce qu'il y avait beaucoup de densité dans les 16 mètres. Il est sorti en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est courageux, Edin Omeragic. Alors que vous voyez hein, les servettiens qui sont là sur le banc. Qui espère que les 4 minutes 30 qui restent vont passer rapidement. Toujours un but à 0 pour le Servette FC. Qui, en cas de victoire, arriverait à 6 points. Et attention à ce ballon. Ouais, Omeragic qui va pouvoir bloquer. Mais par contre, il y a encore un ballon qui traîne dans les 16 mètres. Ça échappe assez régulièrement aux arbitres dans cette Geneva Cup. C'est pas la première fois. Et Prats Barban pour une nouvelle relance. Et c'est pour Gobeau la tête finalement de Billy Kumetio pour mettre ce ballon en sortie. Et Adeagbo pour la remise en jeu. Et là encore, il y a une bonne sortie de Lukeba. Nouvelle touche pour Enzo Adeagbo.
avec un ballon qui traîne dans les 16 mètres. Ça va être récupéré par Sekularak. Sekularak qui tente sa chance de loin. Ouais, il n'a pas eu le temps d'armer et de mettre assez de force dans ce ballon. Par contre, il y a un Lyonnais qui est resté au sol. Il n'y a pas eu de coup de sifflet. Mais il a l'air de souffrir, là, le Français. Alors que Matteo Reggilo, le buteur hein, pour l'instant. Est venu s'excuser auprès de son adversaire du jour et le jeu qui a pu reprendre alors que les Lyonnais se préparent hein, à effectuer un nouveau changement. Dos Santos Marquez ouais, bien stoppé par Luqueba, fautivement estime l'arbitre là aussi, hein, ça semblait un petit peu sévère. Et le changement donc avec l'entrée de Semi Altikoulak, le numéro 13, qui remplace le numéro 14, Hichem Zoglami. Et Sidiki Camara qui va laisser finalement Prats Barban effectuer le coup franc. Prats Barban qui va aller chercher de l'autre côté. Sekularak ouais, qui a été stoppé régulièrement. Effectivement, c'est bien arbitré. Ça va donner un très très bon coup franc aux Servettiens. Il va falloir en profiter côté Grenat. Alors c'est Reggilo qui a pris le ballon. Matteo Reggilo qui l'a déposé. Ouais, ça va vraisemblablement être pour le buteur du jour. Ce coup franc, on devrait, à mon avis, le tenter directement là, vu qu'on est quasiment sur la ligne des 16 mètres. On a un petit peu d'angle. Kevin Yalcin qui est en train de positionner son mur. Ouais, là, Reggilo, il a quasiment un ballon de demi-finale, presque au bout du pied. Et Reggilo, ouais, c'était assez bien frappé, mais le ballon qui ne redescend pas, ça passe deux bons mètres au-dessus des buts de Kevin Yalcin. Qui va pouvoir relancer 1 minute 20 encore pour les Français pour tenter de revenir dans cette partie et faire un point face au Grenat du Servette FC. Un des Grenats qui auront été dépassés, on va dire quand même, hein, en première période par cette équipe lyonnaise très joueuse. À qui il manque encore quelques points. Petit détail, mais très très prometteuse quand même cette équipe lyonnaise. Malgré la déroute hein, face à l'Atlético de Madrid. Mais ça, je pense que c'était plutôt dû au dispositif, à la tactique mise en place pour ce match. Ça n'a pas payé malheureusement. Si c'est eux qui avaient gagné 1-0 ou 2-0, on tiendrait bien évidemment le discours inverse. Donc c'est toujours plus facile de juger après coup. Et ça, c'est une superbe transversale. Attention à cette possibilité. Là, on est en train de repiquer dans l'axe. Côté lyonnais, la défense servettienne qui s'en sort bien. Reggilo qui tente de pousser. Il ne pourra pas récupérer tout de même ce ballon qui va revenir. Riyad Tahar qui va jouer côté droit en écarte avec le dédoublement. C'est bien fait. Attention à Pellier qui va tenter de centrer. Ah, il a réussi à gagner le corner là sur Camara. Et nouveau coup de pied de coin avec un dernier changement côté servettien. L'entrée en jeu d'Enda Antonio avec son numéro 16. Ouais, alors que Kevin Yalcin, vous l'avez peut-être pas à l'écran, mais Kevin Yalcin, il est monté aux avant-postes. Il a été rappelé à l'ordre par son entraîneur. C'est beau. Au moins, c'est la volonté. C'est football total. On va tenter de marquer. Et attention à ce corner, ouais, c'est la tête de Reggilo encore une fois qui était là pour toucher. Et le dégagement, ouais, là il y a une contre-attaque pour vraiment tuer ce match. On est dans les arrêts de jeu. Dos Santos Marquez, il faut qu'il garde ce ballon. Ouais, finalement, il a réussi à trouver une super passe sur Gobo. Ouais, alors là le stade des Arbères est assez d'accord avec moi. La tribune latérale en tout cas. Il semblerait que Gobo il part quand même bien derrière le dernier défenseur lyonnais. Mais on va faire confiance à Monsieur Perscalo qui est sur la ligne de touche là et qui a levé son drapeau pour signaler le hors-jeu. Attention, un des derniers ballons lyonnais. Ben Aïssa dans la boîte, c'est renvoyé par la défense. Camara, Sidiki Camara qui tente de dégager. Ça va revenir avec la tête de Lefebvre. Et là encore, il va falloir se battre sur ce ballon qui revient sur Tahar.
Et les arrêts de jeu qui continuent. Hein. Benaïssa devant lui, c'est bien fait avec un nouveau dégagement. Et à nouveau, on envoie un grand coup de botte devant. Et on attend le coup de sifflet final qui vient finalement et qui voit la victoire du Servette FC sur l'Olympique Lyonnais. 1-0, réussite de Matteo Reggilo qui s'est très bien battu pour offrir les 3 points à son équipe. Le Servette FC qui se positionne très bien pour d'éventuelles demi-finales dans ce groupe B. On se retrouve tout de suite pour la rencontre entre le PSG et le Mérin FC.